Yo la famille, c'est alors K92, j'espère que vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui la famille on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo vraiment très spéciale parce que aujourd'hui la famille c'est un jour très particulier, c'est tout simplement le jour de l'Aïd. Bonne fête à tous mes frères et sœurs, profitez bien de cette journée pour voir vos proches, tout simplement pour passer du temps avec votre famille en faisant bien attention bien évidemment. D'ailleurs même mon snap là il commence à recevoir les messages de bonne fête de l'Aïd etc. Donc du coup bonne fête à vous bien évidemment la famille. Et du coup dans cette vidéo la famille j'aimerais tout simplement vous vloguer ma journée de l'Aïd, comment ça se déroule etc, parce que je sais que voilà il y a des personnes qui sont pas forcément musulmanes qui regardent mes vidéos etc, et j'aimerais vous montrer comment ça se passe chez nous les musulmans notre fête voilà pour fêter tout simplement la fin du ramadan. Donc c'est parti, let's go pour vous vlogger cette magnifique journée, on est parti. Donc la famille c'est parti pour cette journée, donc on commence bien évidemment la journée en se mettant beau gosse, en mettant des habits plutôt beaux. Donc voilà j'ai mis mon petit survêt du Barça, touche d'Eid, hein. Franchement il est beau gosse, voilà. Donc on commence tout simplement par se mettre beau pour cette journée. Donc en prenant une bonne douche bien fraîche bien évidemment. Et voilà j'ai pris quasiment même des nouvelles chaussures, voilà pour cette journée. Donc voilà j'ai acheté une nouvelle paire, voilà parce qu'on se met beau gosse pour cette journée, tu vois c'est la fête, il faut être classe etc. Donc j'ai pris tout simplement une paire d'Adidas, hein. Donc voilà c'est une paire d'Adidas, celle-là elle est un peu particulière parce que voilà on voit pas très bien l'Adidas, mais je la trouve stylée, franchement je la trouve assez jolie, hein. Donc voilà une nouvelle paire de chaussures Adidas pour cette journée de fête de l'Aïd. Après avec ce qui se passe en ce moment on peut pas la faire à la mosquée etc, on devra la faire tout simplement à la maison. Donc voilà je vous montrerai comment on va faire etc, vous inquiétez pas. En tout cas on est parti pour prendre une bonne douche pour commencer cette journée de l'Aïd. On se retrouve dès que j'ai pris ma douche. Ok du coup la famille là je viens de prendre ma douche, je me sens bien tout frais etc, je me sens un petit peu coiffé malgré que je suis pas allé chez le coiffeur, bon ça va ma coupe elle est pas dégueulasse. En tout cas là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement faire la prière de l'Aïd directement, vu que là j'ai fait mes grandes ablutions, j'ai pris ma bonne douche etc. Mais après du coup la famille comme vous le savez la prière de l'Aïd ça va être un petit peu spécial vu qu'on peut pas la faire à la mosquée, on va tout simplement la faire à la maison. Donc je vais regarder une vidéo de tout simplement Rachid El Jaï, même que je vous recommande hein, pour les musulmans etc. Donc du coup qui explique comment faire prière El Aïd à la maison, donc il explique comment la faire. Donc je vais montrer cette vidéo à mon père et je vais tout simplement faire ma prière avec ma famille, et c'est mon père qui va diriger la prière vu que lui il connaît très très bien le Coran. Donc voilà go faire la prière de l'Aïd la famille. Bon du coup la famille, prière de l'Aïd c'est fait, ça y est on l'a fait, je l'ai faite moi, mon père et ma mère tout simplement. Et là maintenant je vais faire un truc que j'ai pas fait depuis quasiment un mois la famille, à savoir prendre un petit déjeuner. Ça fait un bail que j'en ai pas pris la famille, et regardez tu vois pour fêter ça, on a fait quand même un petit déjeuner classe, hein. Donc regardez mon petit déjeuner parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pris avec le ramadan, hein. Donc là on a tout simplement des œufs, des beignets à l'abricot, une petite bouteille d'eau cristalline, ça m'avait manqué de boire de l'eau en journée, de la pâte à tartiner Milka etc, il faudra ramener les biscottes, du bon jus de fruits joker, des trésors des Kellogg's chocolat blanc à l'extérieur, chocolat normal, des petits gâteaux faits par ma mère, voilà. Donc ma mère elle a fait des espèces de beignets, donc les gâteaux qu'elle a fait spécial pour l'Aïd. Donc là franchement on va se régaler, un bon petit déjeuner que j'ai pas pris, ça fait des mois et des mois j'ai l'impression la famille. Donc c'est parti pour déguster mon petit déjeuner après la prière de l'Aïd. Donc du coup la famille, partons pour prendre mon petit déjeuner que j'ai pas pris, ça fait longtemps la famille. Donc on va commencer tranquillement à se donner des forces pour cette journée de l'Aïd. Donc j'ai mis la djellaba parce qu'avant j'avais fait la prière. Donc là la famille c'est parti, on va se rafraîchir avec du bon jus joker, ça fait archi longtemps j'ai pas pris de jus multifruit, hein. Donc voilà on va servir un petit verre jus multifruit, franchement je pense que c'est le meilleur petit déjeuner que je prends depuis longtemps, hein. Je peux vous le dire la famille, hein. Et avec ça la famille en plus on a des petits beignets à l'abricot. Franchement c'est magnifique, un bon petit déjeuner bien garni pour bien donner des forces pour cette magnifique journée. Et après la famille bien évidemment je prends des céréales aussi, donc ça c'est des trésors de Kellogg's, chocolat blanc à l'intérieur et chocolat normal à l'extérieur. On va tester ça, je les ai jamais testés en plus ceux-là, hein. Donc allez on va servir. Mais voilà après la famille il faut pas non plus trop se goinfrer tout simplement après le ramadan, parce que l'estomac il a pas l'habitude, déjà on mange pas toute la journée, si on mange comme des fous d'un coup comme ça toute la journée c'est pas bon. Mais bref en tout cas on va servir. Oh là des bonnes céréales bien céréales ici. Et là, on met le lait. Personnellement, chez moi, c'est céréales après le lait. Après, je sais qu'elle est mettre le lait, les céréales. Moi, direct céréales. Et après, on met le lait. On est d'accord, tu vois. Donc là, on met le lait. Et là, c'est parti pour taper un petit déjeuner que j'ai pas goûté. Ça fait longtemps, la famille. Donc, bismillah, on va commencer par goûter ces céréales-là. On va voir si elles sont bonnes. Ça fait du bien de prendre un petit déjeuner. En plus, elles sont très très bonnes. Vraiment magnifique. En plus de ça, on a un petit verre de jus là. Ça donne la patate à la famille pour le matin, c'est un truc de ouf, hein. Je peux vous le dire. Et là du coup, tant qu'on y est, on va goûter aussi le beignet à l'abricot. Donc regardez l'intérieur de l'abricot. Hein. Magnifique, vraiment
Petit déjeuner, parfait. Donc je vais manger ça tranquillement, on se retrouve juste après. Bon, la famille, pour le petit déjeuner, je me suis bien rempli le ventre, ça fait bizarre de manger. Mon ventre, il est déjà calé, j'ai l'impression d'avoir mangé un big tacos. Mais voilà, parce que l'estomac est rétréci de malade, la famille, pendant le ramadan, vu qu'on n'est pas habitué à manger beaucoup. Mais bref, là, ce que je veux faire, c'est que je vous montrer les cadeaux que j'ai achetés pour l'Aïd. Hein. Donc voilà, j'ai acheté plusieurs paires de chaussures, et j'aimerais vous les montrer en plus de celles que je vous ai montrées en début de vidéo. C'est parti! Alors la famille, regardez les paires que j'ai achetées pour l'Aïd. Voilà, je me suis dit on va se faire plaisir hein. Donc regardez, j'ai acheté pas mal de paires Adidas. Il y a celle-là, franchement je l'ai trouvée super belle, classe, tu vois, propre, tu vois. Après il y en a encore une autre, il y a celle-là. C'est à peu près les mêmes la famille, mais sauf que c'est un autre délire. Vu que moi je kiffe la marque Adidas. Par exemple celle-là, et celle-là elles se ressemblent de ouf. Sauf que c'est pas les mêmes, regardez. Là l'Adidas il est comme ça, là c'est comme as. Franchement, tu vois, c'est des petites chaussures beau gosse. Hein. Après, il y a quoi encore? Celle-là, je vous l'ai déjà montré. Hein. Voilà, la Adidas blanche. Et après, il y en a encore une autre. C'est celle-là. Donc, celle-là, elle est vraiment stylée aussi. Hein. Donc, Adidas, regardez-moi cette beauté-là. Oh là là là. En plus, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, on voit pas vraiment que c'est des Adidas. J'aime bien, tu sais, quand c'est discret. Donc là, on voit l'Adidas à l'intérieur. Mais franchement, elles sont vraiment beau gosse. Et là, il y a le ticket, etc. En tout cas, voilà pour les petits cadeaux que je me suis fait pour l'Aïd. Je me suis acheté 4 paires de chaussures histoire d'être carré pour les chaussures, quoi. Et avec les chaussures, la famille, on a accompagné ça de 2 grosses bouteilles de parfum de Lacoste. Hein. En plus, c'est des grosses bouteilles, très très grosses bouteilles de parfum Lacoste, histoire de sentir bon et d'avoir des belles chaussures. Donc, franchement, on est gâté. C'est carré. Bon la famille, après vous avoir montré un petit peu les cadeaux que j'ai eu pour l'Aïd, tout simplement, que j'ai pu m'acheter, on va tout simplement aller sur mon PC portable pour aller voir tous vos messages, toutes les personnes qui me souhaitent un joyeux Aïd, tout simplement. Je vais vous dire merci bien évidemment. Donc c'est parti, on se retrouve sur mes réseaux sociaux pour vous remercier bien évidemment la famille. Donc la famille, on se retrouve sur mon Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à aller me follow, l'Euroca92, d'ailleurs j'ai mis une petite photo, vous aussi, pour vous souhaiter une joyeuse fête. Donc regardez, je suis beau gosse ou pas les frères, avec la gel là-bas et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la checker la famille, mon Instagram l'Euroca92 en description. Et là on va voir tous les messages que vous m'avez laissé la famille pour l'Aïd. Franchement ça me touche énormément. Donc allez, on va cliquer sur un message. Là on a tout simplement Aïd Moubalak. Merci beaucoup mon frère Lacoste. Voilà, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des images pour me souhaiter un bon ramadan. Lui qui like mes vidéos, j'ai lu bien évidemment, j'essaie de prendre mon temps. Là on a aussi Bilal qui me dit Aïd Moubalak. En tout cas merci beaucoup pour vos messages, ça fait super plaisir. Et vous êtes même pas que sur Instagram la team hein. Vous êtes aussi sur Snapchat, donc regardez tous les messages que vous m'avez laissé. 2700 hein. Donc franchement c'est un truc de ouf. D'ailleurs mon Snapchat il est là la famille. En tout cas voilà, je vais essayer de vous répondre petit à petit tout simplement. Et de vous dire merci. Là on a Medji qui m'envoie un message. Id Moubarak. Ah le bâtard il a mis au bas, moi je suis mort. Mais en tout cas merci beaucoup pour tous vos messages la famille. Et on se retrouve juste après la famille, après avoir répondu à tous vos messages. Après je pense qu'on va passer une petite commande pour se taper un bon repas pour midi. Bon du coup la famille, on se retrouve quelques heures après. Là il est déjà 13h et ça va être la première fois que j'ai mangé un repas du midi depuis pas mal de temps la famille. Et pour ce repas on va le savourer bien comme il faut avec un bon hot tacos que j'ai pas graillé depuis longtemps avec le confinement etc. Ça faisait un bail que j'ai pas graillé de hot tacos. Donc pour cette journée de live je me suis dit allez on va taper un bon petit hot tacos la famille. Donc on va se retrouver sur mon téléphone sur Uber Eats. On va prendre un big tacos XL. Parce que là ça m'avait manqué au tacos. Donc allez on va dans le hot tacos de ma ville. Donc le hot tacos Montrouge, on est déjà sur l'application. On va prendre un tacos XL. Voilà, on va pas rigoler aujourd'hui. Donc un tacos XL, à l'intérieur on va mettre quoi? Viande hachée, on va mettre du cordon bleu de poulet et des nuggets de poulet, comme ça ça se marie bien. Et comme sauce on va mettre quoi? On va mettre simplement, allez, on va mettre un petit peu de mayonnaise avec de la Texan pepper la famille. Et puis ça sera tout je pense. On va ajouter ça au panier, voilà. Et après on va prendre quoi? Allez, un petit dessert. Allez, un petit dessert quand même, ça fait plaisir hein. Je pense que ça va être mon repas de toute la journée vu que j'ai l'estomac ultra petit maintenant. On va prendre simplement un tiramisu choco cacahuète, donc un tiramisu aux M&M's. Donc c'est parti, on va prendre ça. Et voilà, on va passer commande la famille. On se retrouve dès que j'ai la commande. Oh là, je vais bien grailler là, je peux vous le dire hein. Bon du coup la famille, le hot tacos il est arrivé super rapidement, c'était nickel la livraison. Et ça fait bizarre de tourner des vidéos le jour, moi qui ai l'habitude de tourner le soir pendant le ramadan. En tout cas regardez, gros changement, le sac hot tacos il a changé. Depuis le temps que j'ai pas commandé, le sac hot tacos il a changé. Donc regardez, l'insigne il a changé, maintenant c'est comme ça. Genre avant c'était tout blanc avec un fond orange. Là ils ont changé le sac, on va ouvrir ça. Donc là j'ai mon tiramisu à base de... Ah ok. Ils m'ont mis du tiramisu chocolat dedans vu qu'il n'y avait plus de chocolat cacahuète, c'est pas grave, hein, ils le remplacent quoi. Après, on a quoi? On a tout simplement le taco XL. On a la bête, la famille. Oh, regardez-moi ça. Maman, ça fait longtemps, il m'avait manqué ce bâtard. Il m'avait manqué ce tacos là. Donc regardez-moi ça. Oh là là, ils ont bien garni ça, c'est un truc de ouf. Un taco XL là pour l'Aïd, la famille, ça fait plaisir. Avec un tiramisu chocolat dedans.
On va bien se régaler les fouets. Donc la famille, partons pour dégommer un otakus que j'ai pas mangé depuis longtemps. En plus on le dégomme le jour de l'Aïd, c'est vraiment symbolique la famille. Oh là, en plus c'est pas n'importe quel tacos, c'est un tacos XL de chez Otakus la famille. À l'intérieur je vous ai montré ce que j'ai pris hein. Mais voilà, je vais faire un petit récap. J'ai pris cordon bleu avec tout simplement de la viande hachée et des nuggets. Donc en général ça devrait bien passer. Donc on va taper un bon coup et avec ça vous connaissez le petit tiramisu chocolat dame. Normalement j'ai pris les M&M's mais vu qu'il n'y en avait plus, en général ils mettent un autre. Bref, allez on va taper ce tacos, il m'avait manqué, bismillah. Ah, ça m'avait bien manqué ce goût. Ça m'avait beaucoup manqué cette saveur, la fameuse bouche là de otakus. En fait quand tu manges un otakus tu le ressens direct dans ta bouche, tu vois. Ça se voit que c'est un otakus vraiment. En tout cas il est vraiment bien chargé, il n'y a pas de trou quand t'appuies, tu vois, c'est bien stock. Là j'ai tapé une bouchée comme d'hab, hein. La première bouchée chez otakus en général c'est des fruits hein. Mais en tout cas c'est bien bon. Maintenant on va partir pour la deuxième bouchée. Pour l'instant je ressens les nuggets et un peu de fruits. En vrai c'est bon, hein. Franchement c'est pas mal. Il donne vraiment du goût, c'est incroyable. La sauce fromagère elle est vraiment pas mal hein. Regardez-moi ça, mamacita. Là je vais mettre un petit focus pour vous montrer l'intérieur de la famille. Regardez, focus des familles franchement. Pour l'instant on voit pas grand chose, les ingrédients ils sont vers le milieu. Mais là j'ai ressenti un peu le cordon bleu, les frites et un peu de nuggets. Après les autres ingrédients on va les taper au fur et à mesure je pense. Mais en tout cas c'est tellement doux. Et vous dites-moi comme d'habitude dans l'espace commentaire la famille, ça fait combien de temps que vous avez pas grillé de tacos avec le confinement et tout le bordel qui est arrivé? Dites-le moi dans l'espace commentaire la famille. En tout cas le truc c'est vraiment un régal. Là je vais taper un gros sur le teco, il y a du cordon bleu. Ça cale fort hein. Ça pour mon estomac c'est impossible que je termine. Parce que mon estomac il a ultra rétréci avec Ramadan. Et tu vois on n'a pas l'habitude de manger la journée, du coup ça va être compliqué de terminer ça. Mais c'est pas grave, on va le conserver au calme. Bon la famille, j'ai mangé encore un peu de tacos. Et là j'ai arrêté directement parce que voilà, c'est le premier jour où on peut manger pendant la journée. Il faut aller doucement, l'estomac il est pas encore prêt. Donc voilà, j'ai laissé quand même un gros morceau de tacos hein. J'ai laissé ça comme morceau. Mais voilà c'est normal, même si j'ai encore faim il faut y aller doucement. Je vais laisser de la place pour le tiramisu. Après c'est pas grave, je le mangerai le soir de toute façon le tacos. Donc là c'est parti la famille, on va tester le tiramisu chocolat Dane de chez Otakus. Donc voilà, chocolat Dane c'est un chocolat magnifique. On va le tester, on va le goûter hein. Donc regardez moi ça, du bon tiramisu là. Franchement avant Otakus il faisait pas de tiramisu. Mais c'est vraiment pas mal hein. En plus même l'emballage il est à Otakus hein. Tiramisu by Otakus. Donc c'est des tiramisu de tacos hein. C'est la première fois que je teste des tiramisu de tacos. Mais en tout cas ça c'est pas mal hein. Ouais franchement ça va, ça passe hein. Après je trouve qu'il manque un peu de goût, mais sinon ça passe. Mais en tout cas c'est cool que Otakus il commence à faire des tiramisu parce qu'avant c'était pas du tout le cas. En tout cas il manque un peu de sucre. Dans le tiramisu ils ont pas voulu trop faire trop sucré, après ça peut être bien aussi hein. Par contre le truc il est bien franc, on dirait que tu tapes une glace hein. En tout cas, franchement, le tiramisu c'est validé, j'aime bien, vraiment vraiment. Donc du coup la famille, pour le bilan, bah j'ai très très bien mangé, alhamdoulilah, franchement je me suis bien régalé. Et voilà voilà, en tout cas la famille, on va arriver à la fin de la vidéo hein. C'était juste une petite vidéo, tu vois, vlog un petit peu de ma journée de l'Aïd. Après l'après-midi, ce que je vais faire, je pense que je vais sortir, je vais aller voir mes potes tout simplement. Un petit peu de membres de ma famille, ça je vais pas filmer, tu vois. On va rester tranquille, on va laisser la caméra à la maison. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo vlog vous a plu hein. Donc je vous ai montré un peu ce que je fais le matin et un peu que je faisais en début d'après-midi, voilà, durant ma journée de l'Aïd. En tout cas j'espère vraiment que ça vous a plu hein. Donc je compte sur vous pour m'exposer cette barre de like la famille, ça me ferait extrêmement plaisir hein. Voilà, commentez la vidéo si elle vous a plu, likez si elle vous a plu aussi, partagez et puis de vous abonner à la chaîne, c'est très très important, on approche les 300 000 abonnés la famille. Et sur ce, bah nous on va tout simplement se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao la famille.